Ok. Bonjour à tous, donc enchanté parmi vous et désolé d'être à distance pour le grand shoot. Alors, dans les 20 prochaines minutes, ce que je vous propose, c'est de faire un petit cours en fait, de ce qu'on voit en Californie au STEM, notamment sur la partie IA et Climate Tech. Dessus, donc, très rapidement pour me présenter, ça fait 15 ans que je travaille pour le groupe BNP Paribas, 10 ans que je suis européen à San Francisco, donc depuis 2015, excusez-moi. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler pour différents clients dans différentes industries possibles. Alors, avant de commencer la présentation sur la partie Californie, peut-être très rapidement sur qu'est-ce que BNP Paribas et Slab America fait aux États-Unis. Donc, historiquement, on est ici depuis 2005. On observe en fait, en termes de veille technologique et d'études stratégiques, quelles sont les nouvelles tendances, les nouvelles startups qui émergent sur le marché américain. Aussi européen, et on fait le lien en fait avec des grands corporates. Donc 50% de temps c'est sur les métiers de la banque, de BNP Paribas, des services financiers, banque, assurance, paiement, pas mal de sujets mobilité, crédit et autres. Et historiquement, on travaille aussi pour des grands clients dans différents. Donc, quand je dis grands clients, des grands corporates en fait internationaux, à la fois européens, asiatiques et américains. On les aide à trois niveaux, soit à comprendre finalement quelles sont ces tendances, que je vais appeler explore. Soit prendre des décisions, est-ce que c'est le bon moment de lancer un nouveau produit, se lancer sur un nouveau marché, et aussi de faire la stratégie en fait à l'innovation, et sur les différentes options sur la table. Et enfin, ce qui arrive de plus en plus, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle depuis une dizaine d'années que je suis ici, c'est que de plus en plus de ces entreprises en fait regardent ce qu'on appelle la partie de l'innovation, comprennent ce qui se passe, ils ont envie d'agir, et la façon d'agir finalement de plus en plus, c'est de faire des pilotes partenariats, investissement minoritaire et aussi des acquisitions avec ces startups, notamment américaines. Donc on les accompagne dans toutes ces dimensions-là. Et pour finir, ça sera la dernière partie sur qu'est-ce qu'on fait ici, puis ravi s'il y a des questions à la fin. Alors on travaille dans différents secteurs d'activité, en dehors des salaires financiers, tout ce qui est mobilité, tout ce qui peut être énergie, c'est un gros sujet du moment. On y reviendra un peu sur la fin de cette présentation. Et enfin, toute une partie qui va être centrée plutôt autour de l'humain, sur la partie santé, alimentation, cosmétique. Donc on fait ces missions de conseil en fait pour ces clients, souvent en cross-border entre les États-Unis et différents continents. Voilà, donc ça c'était pour présenter un petit peu le contexte. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler des sujets qui sont en ce moment. Peut-être avant de démarrer sur la partie IA et Climate Tech, c'est peut-être qu'on met les choses en contexte sur quel est le poids finalement des États-Unis et de la Californie, donc ce qu'on appelle le monde start-up et investissement. Donc, pour commencer, alors j'espère que le slide est assez grand de votre côté pour voir dessus. Donc, ce slide en fait à gauche, c'est le montant d'investissement chaque année en capital risque en fait aux États-Unis. Donc, en général, côté vu de la Silicon Valley, la façon de mesurer finalement la santé de la Silicon Valley, c'est combien d'investissement est fait dans la partie start-up, donc c'est 1 milliard de dollars chaque année. Donc ce que vous voyez, c'est que en 2023, on était à 171 milliards de dollars investis dans 15 766 startups, donc il y a 10 different startups que j'ai deployé au cours de la même année. Deux choses pour commenter rapidement, on est, ça a baissé en fait dans les deux dernières années, on est revenu finalement aux années pré-Covid dessus, mais qui étaient déjà des bons plateaux, parce que vous voyez, en 2020, c'était déjà 4 fois plus que 2030 dessus. Donc il y a une euphorie qui a un peu baissé, mais on reste quand même sur des niveaux très élevés. Et peut-être pour comparer ça, donc, symboliquement, hein, dans le monde entier, en 2023, il y avait 344 milliards de dollars qui ont été investis par les VC dans le monde pour les startups. Et donc la moitié à peu près était aux États-Unis. Dessus, et quand on compare les chiffres, 171 milliards pour les États-Unis, en France, c'était autour de 10 à 100 dollars l'an dernier, enfin en UK. Donc ça vous donne un peu les proportions de ce monde. Le marché américain reste, ultra dominant, donc le marché principal pour les startups, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien d'ailleurs. Dans ce marché-là, il y a à peu près des échelles de grandeur. La Californie, c'est essentiellement une startup, la Silicon Valley, Los Angeles et San Diego. Dessus, c'est 63 milliards de dollars d'investissement en 2023, donc c'est autant que toute l'Europe réunie, hein, et je rajoute pas que l'Union européenne, mais que UK et Israël dedans. Donc ça vous donne un peu le poids qu'a la Californie et les États-Unis dans ce monde des startups. Donc ça, c'est pour le premier élément de contexte par rapport aux États-Unis.
Le deuxième, alors j'ai fait les slides en début de semaine pour les mettre à jour, mais vous le savez sans doute. Le numéro 3, NVIDIA est repassé en tête, je crois, depuis hier ou avant-hier, mais ça bouge un peu tous les jours. Il faut comprendre aussi l'économie américaine aujourd'hui, alors c'est en capitalisation boursière. On reviendra sur 2-3 chiffres sur les revenus. En capitalisation boursière, aujourd'hui, les plus grosses boîtes américaines, quand on prend le top 15 avec les plus grosses boîtes que vous avez sur le petit tableau à droite, il y en a 8 qui sont des entreprises tech, et dans les 8, il y en a 6 qui sont en Californie, il y en a 2, Microsoft et Amazon, qui sont plutôt du côté de Seattle. Ça vous montre quand même le poids énorme qu'a pris la tech dans l'économie américaine en tout court. Et si on prend le top 50 des entreprises américaines, il y en a 22 au total qui sont dans la tech. Donc la tech a vraiment pris un poids très important, notamment dans la partie. Alors, c'est une métrique, hein, la capitalisation boursière, on pourrait discuter revenus et autres, et ça montre le poids en fait finalement pris par ces entreprises, notamment basées sur la côte ouest et en Californie, dessus. Si je continue très rapidement, et ça sera les derniers chiffres dessus, on parle souvent des capitalisations boursières en 100 000, mais bon, est-ce que c'est vraiment des grosses entreprises? Aujourd'hui, on appelle historiquement les GAFAM, donc les Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft et Meta pour Facebook. On parle d'entreprises pour certaines qui sont entre 161 000 employés. Amazon, c'est un peu particulier avec les entrepôts, ils ont 1,5 million d'employés aujourd'hui. Et on parle de Quest qui ont des revenus en centaines de milliards et parfois des profits en centaines de milliards. Apple, l'an dernier, c'était 97 milliards de dollars. Et indépendamment des revenus et des employés ou des données financières, quelques stats, hein, Apple aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'utilisateurs d'iPhone dans le monde. Google, il y a à peu près 8 milliards de recherches Google par jour, donc ça vaut le poids quand même pris par ces géants, pas qu'en termes d'intensité économique, mais aussi dans la vie quotidienne finalement des gens ou des travailleurs. Donc voilà, ça c'est pour un peu planter le décor de la partie américaine. Et puis on a un sujet qui revient souvent, qu'on a beaucoup notamment des Français ou des Européens qui reviennent entre guillemets après le Covid, c'est est-ce que San Francisco ou pas, ça se perd en termes de domination de la tech américaine. Sans rentrer trop dans les détails, la taille des bulles, pour faire simple, c'est le nombre d'emplois tech dans une géographie donnée aux États-Unis. Le cours, en fait, c'est combien de gens, entre guillemets, travaillent dans la tech, c'est pour la partie assise, c'est sur la partie ordonnée. C'est combien, comment cet écosystème-là croît chaque année en termes de croissance de talent tech, donc ça, c'est sur plusieurs années. Ce qu'on voit très rapidement, c'est que San Francisco reste aujourd'hui la plus grosse bulle. Donc c'est là qu'il y a plus de gens qui bossent en tech aux États-Unis, devant vous voyez New York, Washington et Dallas. Et qu'en termes de croissance, il y a quelques petites zones, notamment des Austin ou Seattle, qui ont été un peu plus vite dans les 5 dernières années. Mais ça reste des tailles de bulles de support. C'est juste pour remettre dans le contexte, symboliquement, voilà, le Silicon Valley et les États-Unis, le plus gros marché aujourd'hui en termes d'investissement dans les startups. San Francisco qui reste de façon très importante un très gros uptake, même si c'est pas le seul aux États-Unis, il faut être clair là-dessus. Et on va voir du coup sur la partie IA comment ça va. Alors, maintenant on va passer quelques minutes. J'ai fait la présentation avec deux axes. Il y avait la première qui était plus l'introduction sur la partie investissement startup. Là, on va parler plutôt d'intelligence artificielle pendant quelques minutes et ensuite on parlera de tout ce qui est technologie pour le climat. Donc sur la partie d'intelligence artificielle, les chiffres alors américains et les globaux, là-dessus, ça commence un peu les cours, on parle de dizaines de milliards d'investissements chaque année dans les startups pour tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning. Même aux enseignements que ce que je disais tout à l'heure sur les chiffres contexte américain, il y a eu un pic en 2021, paradoxalement ça a baissé en 2022 mais c'est remonté un peu en 2023, et la nouveauté du moment évidemment, donc, je pense que vous avez abondamment déjà parlé lors de cette journée et hier soir, c'est l'émergence entre guillemets d'investissement dans la partie générative AI qui a littéralement explosé, qui représente presque un tiers aujourd'hui des investissements AI de 63 milliards. Si vous vous souvenez, on parlait de 170 milliards d'investissements aux États-Unis en 2023, 63 sur les AI, donc c'est aujourd'hui objectivement la plus grosse catégorie d'investissement des venture capitalistes. Donc ça, c'est côté chiffres. Une chose qui est intéressante à observer, c'est qu'il y a une forte corrélation, voire causalité, hein, pour être très clair, entre l'émergence finalement notamment de la génération AI, avec finalement un discours sur les États-Unis, notamment qui est sur la partie comeback, renaissance, San Francisco, revenir un peu de ses cendres après
après une période compliquée pendant le Codex. J'ai juste pris quelques captures d'écran d'articles ces derniers mois, de Washington Post, Wall Street Journal, de The Economist. Et la ville de San Francisco se plaît vraiment à appeler San Francisco la capitale de l'intelligence artificielle au niveau mondial. Et on va le voir juste après. N'est pas forcément volé, puisque en fait, beaucoup de startups dans le domaine génie que vous connaissez pour la plupart de nous sont basées dans San Francisco. C'est pas la Silicon Valley, c'est vraiment physiquement dans la ville. Donc, symboliquement, ce que j'ai mis sur la gauche, le pont rouge pour ceux qui connaissent, c'est le Golden Gate Bridge, qui est ce pont assez iconoclaste, alors iconique en tout cas, de San Francisco. Donc, si on prend aujourd'hui les startups en prenant le montant de levée d'argent, qui est une des métriques qu'on peut comparer entre elles, ces startups-là, donc OpenAI, Anthropic, Inflection, que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est OpenAI, ils ont fait plus de 11 milliards de dollars, Anthropic, c'est plus de 2 milliards. Derrière, il y a des gens comme Microsoft pour l'un, Amazon pour l'autre, et parfois Google aussi, dessus. Et on voit en top 10, donc d'autres facteurs, comme Mistral, qu'on connaît très bien en France, là-dessus, qui aujourd'hui est quand à Paris, commence à se développer pas mal sur les États-Unis aussi. Et Westwood, réfléchi à Amiens, et une boîte qui a été trouvée. Alep Alpha, qui est un peu l'équivalent de Mistral, beaucoup d'industries allemands se sont groupés pour investir dans leur propre start-up dessus. Et puis deux autres, Adept to Deal. Alors, Hugging Face, techniquement, ils sont basés à New York, vous le savez sans doute. Il y a des cofondateurs français, donc on pourrait presque mettre un petit labo français, mais la boîte est aujourd'hui basée à New York, même si c'est dans le bureau à Paris. Et ça, donc, c'est la domination dans les géants de Genelia, clairement, de San Francisco. Et l'an dernier, donc à droite, c'était où finalement des startups. Donc c'est une métier pour savoir où sont créés, où est le montant d'investissement dans les startups aux États-Unis, dans la partie AI et tout court. Et la Silicon Valley représentait pratiquement 50%. De ces investissements-là, donc il y a une domination assez forte, hein, finalement une hyper-concentration, notamment dans la partie générale de ce qui se passe dans la ville, ça aide quand on peut être OpenAI en copie dessus, mais ça montre aussi la domination de cet écosystème très spécifique de la Californie, hein, de Silicon Valley, par rapport à quelques zones comme New York, Boston ou Los Angeles. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu le topo sur la partie dynamique d'investissement. Alors, deux choses, donc, la question aujourd'hui, c'est à quelle vitesse ça va sur la partie de l'email. On parle beaucoup d'Elviga dans les news, hein, de Anthropic, de Mistral ou d'OpenAI. Côté adoption, parce que je pense que dans l'audience, on est plutôt côté grande entreprise en particulier. Aujourd'hui, l'adoption côté grand groupe est encore balbutiante. Alors, c'est une étude qui date déjà de fin d'année dernière, donc c'était décembre 2023, on a quelques mois en plus théoriquement, mais c'était un sondage tout simplement en disant au niveau des directions informatiques de bon groupe, où aujourd'hui vous en êtes en termes d'adoption à la partie de GenAI. Et sans forcément trop surprise, finalement, les deux industries qui sortaient un peu la tête de l'eau, c'est tout ce qui était marketing et publicité, notamment, et tout ce qui pouvait être dans le domaine du droit ou de l'école. Vous voyez que les autres industries, c'était plutôt une moyenne à 3-4% d'adoption, et sans doute la partie tout ce qui est industrie lourde, la supply chain, est un peu plus bas, pour que ce soit la partie de GenAI. Le message ici, c'est de dire quoi? C'est de dire, même si on en parle beaucoup et que c'est une grande priorité de notre groupe, l'adoption massive et à l'échelle, c'est encore en évolution. Et donc, on est vraiment à la genèse aujourd'hui de l'utilisation de ça dans les grands groupes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en aura certains qui auront plus vite que d'autres, donc on pourra se m'inspirer. Mais encore, au tribunal, dans les single digits d'adoption, donc, c'est vraiment décembre. Vous savez, c'était l'événement de ça. Ou quatre premières versions, c'était novembre 2022 dessus, donc ça date qu'il y a un an et demi, voilà. Ensuite, côté mon startup, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on va appeler la partie modèle fondamentaux, hein, donc la partie sous-jacente finalement qui supporte le tout, ces fameux language modernes. Ce qu'on voit apparaître sur la gauche stratégie startup en dehors de ces langages fondamentaux, il y a une question de AI horizontale qui sera plutôt cross application. Pensez à ce que peut faire un copilot côté Microsoft ou des équivalents, de ceux qui viendront finalement rajouter un agent d'intelligence artificielle dans différentes applications qui pourraient être transverses. Et puis on voit émerger, ce qui est assez cible aussi sur le marché, des startups ou entreprises spécialisées sur une verticale donnée, souvent c'est une industrie donnée, qui vont permettre d'avoir vraiment des approches beaucoup plus sophistiquées en théorie sur ces industries. Donc on va
enfin, vous vivez dans un monde de tripartite, il y aura les grands géants, entre guillemets, qui font les modèles LLM. Ceux de droite, entre guillemets, pourront utiliser plus tard ces modèles de gauche dessous, développer leur propre modèle avec des Mistral ou d'autres. En tout cas, on voit une confusion finalement de startups émerger dans ces applications à la fois horizontales et aussi verticales. Voilà. Et un sujet, parce que je pense que c'était, on en avait peut-être discuté avec Gilles Babinière qui a écrit son bouquin là-dessus il n'y a pas longtemps. Un sujet qui revient souvent, notamment pour les Français et les Européens, c'est à quel point l'AI a un poids ou pas dans la consommation énergétique des États-Unis ou dans le futur. Donc, les deux courbes que vous voyez, alors, je ne sais pas si elles sont bien ici, mais et vous avez un petit grisé entre guillemets qui vous montre la partie américaine, US AI et le reste du monde au niveau AI. Donc, ça, c'est les projections à date d'aujourd'hui, donc c'était fait il y a quelques mois, sur comment finalement les data centers vont consommer plus d'électricité dans le monde. Et on a grisé entre guillemets la partie, alors, c'est Goldman Sachs qui a fait un papier de recherche là-dessus. Quelle est la peur que l'AI, pour faire simple, la consommation de data centers comme vous voyez à gauche, indépendamment de l'IA, va énormément augmenter aux États-Unis, mais surtout dans le reste du monde, en fait, dessus. Et aux États-Unis, donc, on estime que la part que les data centers vont faire dans la demande d'énergie électrique, notamment, va croître entre guillemets de 4, un peu moins de 4% aujourd'hui, à peu près entre 6 et 8%, et 2% de ça, ça sera à peu près finalement cette partie-là. Donc, d'ici 2028, donc on est quand en 2024 entre guillemets, ça représenterait potentiellement 19% des data centers, en tout cas la demande énergétique des data centers, ça c'est lié à l'AI, donc ça fait quand même 81% qui n'est pas forcément lié à ça, mais ça va représenter jusque 3-4% de la consommation mondiale dessus, donc c'est un sujet important et les boîtes de technologie dans le domaine en sont bien conscientes. Et donc, juste pour remettre un petit peu de contexte, donc ça, c'est la projection de croissance qu'on a sur la demande énergétique. Là, c'est deux slides rapides. Alors, je ne vais peut-être pas commencer celui de gauche qui est plus si on fait une requête ChatGPT ou on entraîne un modèle type GPT-3, excusez-moi, combien ça consomme aujourd'hui l'énergie d'émission, c'est vraiment lié. Donc, il faut mettre en corrélation une requête GPT, c'est à peu près 2 minutes d'une ampoule lambda. Dessus, un modèle GPT-3, c'est un peu plus gros, hein, ça consomme autant qu'à peu près 130 foyers américains l'année. Il se pensait qu'il consomme un peu plus, mais dessus, donc c'est juste à mettre en parallèle en termes d'amplitude de ce que ça prend. Et à droite, finalement, c'est ce que je pense, c'est aujourd'hui, la partie prix, dans ce cas des boîtes technologiques des Californiennes, dont Nvidia. Nvidia, en fait, donc vous avez les trois lignes, c'est les trois modèles finalement. A100, etc. Donc c'est différentes versions de DGX, qui sont sorties en 2020, 2022, et le dernier qui a été annoncé à leur conférence annuelle il y a quelques mois pour le Q3. Ce que vous voyez rapidement en bleu clair, en bleu foncé, c'est tout simplement combien ça consomme et combien à unité de puissance, à unité de puissance égale, combien finalement il peut computer dans cette espèce de train, qui peut calculer en fait de façon intensive dessus. Pour faire simple, ce que montre Nvidia, c'est que la puissance des GPU augmente, et paradoxalement, à unité égale, en fait, il y a une démultiplication de la capacité de calcul, et donc il y a vraiment une volonté très forte d'optimiser au maximum la consommation énergétique, à la fois des fins environnementales précises, parce que tout simplement c'est une question de coût, et du coût de l'énergie qui est derrière, mais c'est un sujet que les boîtes technologiques traitent déjà, même si on a une énorme croissance des besoins d'IA. Les boîtes technologiques sont en train quand même d'avancer dans la science fondamentale, mais aussi très actives pour sortir des produits finalement qui permettent de consommer moins à puissance de calcul égale. Voilà. Donc ça, c'était pour vous faire un petit topo sur l'IA, et pour finir, peut-être en 3-4 minutes pour laisser du temps sur les questions. Sur la partie climate tech, on pense souvent en ce moment, ce qui s'émerge bien dans la Silicon Valley, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, mais aussi les technologies pour le climat. Donc, si je veux faire un petit récap, donc, les technologies pour le climat, ça vise à répondre à un sujet qui est simple, c'est comment on va arriver au net zéro, le fameux net zéro en 2050, hein, c'est les accords de Paris. Les cours, c'est simple, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui émet le plus de carbone par an?
sans trop de surprise, c'est un, l'énergie, deux, l'industrie, et après on a notamment le transport, l'alimentation, etc. Et ce que vous voyez en fait en visée, c'est quelles sont les projections et qu'est-ce qu'on va pouvoir réduire grâce aux technologies notamment. Et il y aura des émissions résiduelles qui vont être compensées sans doute par des captures carbone. Ça, c'était extrait d'un des plus grands essais de la vallée qui s'est fait il y a 2-3 ans, qui s'appelle Speed and Scale. Alors, dans le contexte des Paris-Bas, on travaille beaucoup sur ces domaines-là. Donc, ce qu'on appelle climate tech en général, c'est les technologies pour le climat. Ils visent notamment à réduire les émissions dans l'énergie, la mobilité, les industries lourdes, par exemple, tout ce qui est bâtiment. Dessus, il y a des technologies de transfert, donc tout ce qui peut être capture carbone, toutes les parties données en fait géospatiales, climatiques, etc. Et les services financiers, finalement, quand on vient dans le monde de la banque, services financiers, pensez à l'assurance, au crédit, aux gestionnaires d'actifs ou d'investissement, sont finalement des facilitateurs où vont pouvoir orienter finalement ces business models de façon importante. C'est quelque chose d'assez stratégique pour la banque en général et pour l'économie européenne notamment. Alors, si je reviens dans mon contexte SILAD américain, donc on travaille beaucoup avec les climatistes sur cette thématique-là. Les sujets, ça peut être autour de l'économie circulaire, l'efficacité énergétique, des sujets de protéines alternatives dans la foule. Donc, quand on revoit en fait ce sabuteur d'un point de vue sectoriel, c'est beaucoup d'océan bleu, en tout cas, de nouveaux marchés potentiels pour beaucoup d'industriels ou de boîtes de services. Et on passe beaucoup de temps dans ces domaines. Je prendrai mes exemples. Et pour finir sur la partie BNP des activités pour ces questions, dans un fonds d'investissement de 150 millions d'euros qui investit dans des startups à la fois européennes mais aussi américaines dessous, des tickets entre 2 et 6 millions dans ces domaines d'activité. Donc on essaie d'identifier finalement des startups qui vont solutionner une partie des problématiques. Alors si je reviens donc, sur la partie climate tech, qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui sort du lot donc, dans le contexte, les besoins d'investissement, ce n'est pas que venture capital et start-up, les besoins d'investissement dans différents domaines, donc là c'est juste sur la partie énergétique notamment, dessus. Pour faire simple, on est à 1700 milliards d'investissements à date de 2023, et vous voyez que la courbe, c'est 2050, d'avoir été multipliée de près par 5. Donc les besoins d'investissement dans le monde sont colossaux, notamment pour la partie transition énergétique. Et une bonne partie de ça, ça sera notamment lié à l'électrification, donc le vert foncé, c'est l'électrification des transports. C'est un gros sujet, donc il y a la voiture, il y a aussi les camions, les avions, etc. Dessus. Et si on voit, donc on revient dans le monde de start-up de nouveauté, ça c'est la courbe d'investissement dans le monde, d'investissement en climate tech, on parlait d'ici dans le monde. Les États-Unis, historiquement, étaient ultra dominants l'an dernier, ça c'était un peu moins, entre guillemets, fructueux aux États-Unis. L'Europe est passée en tête, c'est un bon, on verra si ça dure un petit peu. Donc, clairement, les États-Unis et l'Europe, côté start-up, dominent aujourd'hui ça. La Chine, c'est plutôt des gros acteurs étatiques, donc c'est pas vu dans les stats start-up dessus. Et si on prend donc les pays, je vais faire rapidement pour vous garder du temps, mais voilà, les oreilles tech, si vous voulez. Avec les arts, c'est une passion, mais les États-Unis dominent, la Chine est seconde dans le monde, et après, les grands Européens, c'est plutôt Grande-Bretagne, Suède, France, Allemagne. La France est plutôt pas mal partie dans cette course sur les technologies qu'on appelle clean tech, clean tech, parfois climate tech, ça dépend des dominations. Et si je vous finis juste rapidement sur le topo, donc deux choses, quand on parlait d'énergie, la mobilité, où cet investissement est fléché aujourd'hui va, donc le sujet sur le solaire, sur la partie gestion de la distribution électrique, notamment ce qu'on appelle la grille dessus. Beaucoup de sujets évidemment pour des véhicules électriques, soit des nouveaux constructeurs, les sujets de batterie, production de batterie, recyclage de batterie, des sujets de charging station, et puis d'autres qui émergent un peu plus sur la partie acier vert, mining. On a aussi tout ce qui peut être agriculture ou fibre. Ça, c'est sur les grandes tendances. Alors, je vais peut-être finir sur celui-là par un point d'exemple pour prendre les questions. Merci Mathieu, on va faire plus rapidement parce que sinon on n'aura vraiment pas le temps pour les questions. Vas-y. Je t'ai mis là-dessus du coup. Donc, voilà, pour finir là-dessus, c'était un investisseur dans une boîte qui fait derrière pour le développement des batteries pour les véhicules électriques, une boîte. Basé dans la Silicon Valley, c'est ça, mais c'est pour montrer un petit peu les choses sur lesquelles on est actif en termes d'investissement. Donc, j'arrête la présentation en partage et preneur de questions si rapides.